à vous guider et beaucoup de choses qui vont vraiment avancer le niveau auquel tu fais le ministère. Alléluia. Amen. Et dans cette saison, dans les 3 et 4 prochains mois qui viennent, nous aurons à peu près 12 à 13 différentes classes. Amen. Donc, il ne faut pas rater FSS pour les 13 semaines qui viennent parce que nous allons apprendre quelque chose de particulier. Amen. Quelque chose de particulier qui a la capacité de changer nos ministères. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore là? Mettez-moi le cœur, filez-moi le cœur si vous êtes encore ici. Filez-moi le cœur quand vous êtes ici. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Alors, je commence, le livre principal que nous sommes en train d'utiliser, c'est le livre Transformer votre ministère pastoral. Et à partir de la semaine prochaine, dimanche prochain, nous allons rentrer encore dans ce livre. OK. Mais aujourd'hui, comme c'est notre retour encore à classe, c'est la rentrée, n'est-ce pas? C'est la rentrée scolaire spirituelle du FSS. Nous allons commencer avec juste l'introduction et nous allons continuer. Aujourd'hui, je suis assis à Londres, à Greenwich principalement, dans l'hôtel Novotel à Greenwich et nous sommes en train de faire FSS live à partir de Londres. Amen. Si vous êtes heureux et content pour moi, comme on a acclamé très fort le Seigneur. Donc, FSS, et je t'assure que pour les 13 prochaines semaines qui viennent, FSS sera hautement international. Tout le monde dit avec moi, hautement international. Parce que vous allez faire le parcours avec moi dans les différents pays. La semaine prochaine, on sera dans les États-Unis de Boaké. Si tu ne connais pas, c'est tout sur la carte du monde. Il faut trouver États-Unis de Boaké. Je serai là-bas. Et puis, la semaine après, FSS sera aussi bien notre. Donc, ça veut dire qu'on va se déplacer de lieu en lieu et tu vas faire FSS avec moi des différents pays. Alléluia. Amen. Et croyez avec moi que alors que nous sommes en train de faire FSS de cette manière, que l'onction prophétique, l'onction d'un pigeon voyageur, écoute-moi, l'onction d'un pigeon voyageur, tu vois, écoute-moi, quand on grille à locaux, hein, ou on prépare la nourriture, dans un marmite qui a piment à l'intérieur, le goût de la nourriture change. Quand on bouille de l'eau pour faire du thé, et le bouloir là, il y a une certaine odeur à l'intérieur. Ça rentre dans l'eau et ça rentre dans le thé. Alors que je suis en train de vous apporter la prédication de la parole de Dieu de différents pays, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la capacité d'être un pigeon voyageur, ton affaire, tes affaires, ton business, ton église et ton ministère va commencer aussi à se déplacer de pays en pays international. In the name of Jesus. Donne-moi ton plus fort Amen. Alléluia. Donc, la grâce, parce que je suis en train de préparer la nourriture, je suis en train de te servir. Mais le fait que la nourriture qui vous a été servie est en train de venir, dimanche passé, j'étais à Luxembourg. Yeah, j'étais à Luxembourg le dimanche passé, n'est-ce pas? Et la semaine avant ça, j'étais à Paris. Et là, je suis à Londres. Je suis à Londres demain. Je prends le train pour Paris. Et puis, je prends le vol mardi pour la Côte d'Ivoire. Amen. Donc, je t'assure que FSS, cette saison, c'est hautement international. Hautement international. Et il y a une grâce internationale qui descend aussi sur ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Alors, notre sujet, écoutez, notre sujet pour FSS, pendant les 13 prochaines semaines, on a vu dans la première saison, on a regardé la prière. Parce que 50%, nous avons vu que 50% du ministère, c'est 50% prière, 50% administration de la parole. Maintenant, l'administration de la parole, ça se passe comment? Administration de la parole, ça se passe comment? Parce que vous allez voir
Je prends par exemple les amis qui sont à Vase d'Honneur, Luxembourg. Grâce. Je ne sais même pas à quel moment Pasteur Joseph sera fatigué de prêcher. Jusqu'à... Il va te laisser le micro. Toi-même là, quand tu vois Pasteur Joseph, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui va se fatiguer aujourd'hui ou hier soir pour te laisser le micro, grâce? Hein? Est-ce que Pasteur Joseph ressemble à quelqu'un qui va se fatiguer hier soir pour te laisser le micro? Maintenant, vous qui sont à Bordeaux, vous qui sont à Bordeaux, à quel moment Pasteur Kiminou sera fatigué? Qu'elle va laisser le micro et puis Daddy, Papa Siende aussi est là, lui aussi est fatigué. Même si les deux sont fatigués, ils ne sont pas là. Il y a Stéphanie qui est là. Donc, à quel Christopher, Christopher, à quel moment toi, Christopher, tu vas tenir micro à Bordeaux, hein? Église Triomphant Le Rocher, hein? ETR. À quel moment toi, Christopher, ou Merveille, ou Alia, à quel moment tu vas prendre micro à ETR pour prêcher là-bas? Jamais dans ta vie, jamais, jamais, jamais. Parce que la formation, ce week-end, j'ai formation avec vos pasteurs. Je vais les pimenter encore pour prêcher encore plus. C'est-à-dire que même les temps de vacances que tu penses que c'est vacances là, ils vont commencer à prêcher. Donc, tu vois que toi là, tu n'auras jamais l'opportunité de prêcher. Donc, est-ce que cela veut dire, maintenant, regarde, est-ce que cela veut dire que tu ne peux pas exercer ton ministère? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Parce que, ah, Église Fontaine de Bamako, vous êtes connectés, sois béni. Je vois les amis de l'Église Fontaine de Bamako qui sont connectés. Alléluia. Donc, est-ce que ça veut dire que tu n'auras jamais l'opportunité d'exercer ton ministère? Les amis, je vais te faire une confidence. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça ou on va, si tu veux, si tu n'es pas prêt, on peut laisser ça la semaine prochaine. De vous raconter ça. Vous êtes prêts? Vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire? Donc, les amis, hein, je commence à me rendre compte, et les hommes de Dieu et les pasteurs qui sont ici, je commence à me rendre compte que depuis longtemps, on faisait mal le ministère. De plus en plus, ça commence à être fort sur moi qu'on fait mal le ministère et que nous sommes en train d'encadrer mal le peuple de Dieu. Parce que si 50% du ministère, c'est la prière, Kabaya, 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 Kabaya. Ça, c'est 50% du ministère. L'autre 50% du ministère, c'est administration de la parole de Dieu. Alors, bon, pour la prière, les gens peuvent faire ça à la maison. Mais pour la prédication, ils peuvent faire ça où? Parce que le pasteur n'est pas prêt à laisser tomber le micro. Donc, ils vont prêcher comment? You see, nous avons encadré mal le peuple de Dieu. Et le fait penser, et tout le monde pense que l'onction divine de Dieu qui descend sur notre vie là, c'est pour servir Dieu à l'église. Écoute-moi, l'église et le culte n'est pas pareil. L'église et le culte ne sont pas la même chose. Une église organise le culte. L'église et le culte ne sont pas pareils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on fait à l'église, ce qu'on fait au culte, n'est pas nécessairement l'église. L'église, il y a des gens qui ne sont pas venus au culte, mais qui font partie de l'église. Il y a même les gens qui ont quitté l'église, mais qui vont revenir encore. Pasteur Bertin, il y a les gens qui ont quitté l'église, qui vont revenir encore dans 5 ans, dans 10 ans. Eux aussi, ils font partie de l'église. Mais le fait qu'on ne le voit pas au culte ne dit pas qu'ils ne sont pas dans l'église. Donc le culte et l'église ne sont pas la même chose. Donc tu vois, depuis longtemps, Pasteur Olga, on a façonné nos brebis de les faire penser que le but de l'onction de Dieu sur leur vie, c'est pour enseigner à l'église. Voici pourquoi
Il y a tellement les jalousies à l'église, il y a tellement les concurrences à l'église, il y a tellement la haine à l'église, il y a tellement de mauvaises expériences à l'église, parce que chacun cherche l'opportunité de localiser la directrice de chorale, de localiser celui qui dirige les trucs pour avoir son opportunité de shine. Mais tu vois, ton opportunité de shine, ce n'est pas dans l'église, parce que le culte qu'on fait là n'est pas l'église. Regarde ce que Jésus dit. Il dit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit, vous êtes la lumière de l'église. C'est ce que Jésus a dit. Les amis, je pose question. Est-ce que c'est ce que Jésus avait dit? Vous êtes le sel de l'église. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière de l'église. Tu vois que depuis longtemps, depuis 2000 ans passés, quand Jésus avait un plan, son plan, c'est pour que quand si tu es sel, si tu es de sel, votre goût doit être senti au monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est à l'église le dimanche, le culte que nous faisons, c'est juste une célébration. Mais l'église même, c'est ce qu'on fait de lundi jusqu'à samedi. L'église n'est pas le culte. Donc, tu vois, la majorité des chrétiens sont devenus des lampes qui ne sont pas allumées. Parce que on cherche l'opportunité pour tenir micro à l'église, pour dire Alléluia, Amen, avant de sentir que nous sommes en train de servir Dieu. Or que le plan de Dieu pour nous, c'est de lui servir à la maison, c'est de lui servir au travail. Le monde, c'est où? Le monde, c'est partout qui n'est pas le culte. Le monde, c'est partout qui n'est pas le culte. Au boulot. Donc, vous êtes la lumière au boulot. Vous êtes le sel au boulot. Vous êtes le sel de ta famille. Vous êtes la lumière de ton quartier. C'est-à-dire que où les gens sont obscurs, c'est là-bas que tu dois fonctionner. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que on a façonné mal les peuples de Dieu, de les faire penser que c'est seulement quand quelqu'un sert Dieu à l'église qu'il est serviteur de Dieu. Or, que le culte que nous sommes en train de faire n'est pas l'église. L'église est dehors. Donc, tu vois, la majorité de nos bergers qui sont fous de Dieu, de lundi jusqu'à samedi, et puis dimanche, ils viennent à l'église, et puis ils disent, je t'aime sous les seins, je te porte dans mon cœur. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, et mon cœur brille en amour pour ça. Christianisme. Faux christianisme. Voici ce que Jésus nous dit. Il dit, personne allume une lampe pour le cacher sous le boisseau. Quand vous êtes allumé, quand vous avez quelque chose à offrir et vous le faites à l'église, au culte, vous êtes une lampe allumée qui est cachée sur un boisseau. Plutôt, regarde ce que Jésus dit. Jésus dit que on déplace la lampe et on lui place stratégiquement sur le chandelier afin qu'il donne sa lumière à tout le monde dans la maison. Donc, on voit que numéro un, l'une des choses qu'on voit, que quand Dieu t'allume, vous êtes censé d'être placé où tu vas donner ta lumière aux gens dans une maison. Donc, si le vrai ministère de chacun de nous, c'est 50% la prière et 50% l'enseignement de la parole de Dieu, alors où est-ce que tu auras l'opportunité d'enseigner la parole de Dieu?
Si vous êtes une lumière, où est-ce que tu vas briller? Si vous êtes du sel, où est-ce que tu vas... Look, s'il y a du sel, s'il y a du sel, et on place le sel à l'intérieur de cette boîte et on place ça sur l'étagère, personne ne va sentir son goût. Personne. Aussi longtemps il reste, aussi longtemps que le sel reste dans la cuisine, on ne va jamais sentir son goût. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, on connaît, on never, I like that laundry. Never. On va, donc beaucoup, il y a beaucoup d'entre vous, Maru Kasata Kasamate, alors que je suis en train de prier, le Seigneur me dit que il y a beaucoup d'entre vous qui sont des lampes allumées, mais vous êtes cassés. Vous êtes cassés parce que vous êtes du sel dans les boîtes qui sont dans l'église. Vous êtes du sel dans les boîtes qui sont dans l'église. Donc vous, on ne sent pas votre goût, on ne sait pas ce que tu es capable de faire. Parce que tu vois, à l'église, non, les amis, regarde bien. Les hommes de Dieu, je vais vous inviter de tenir des rendez-vous et des réunions à cause de l'enseignement d'aujourd'hui et réfléchir sur ce que nous sommes en train de dire. Pasteur Olga, quand il y a culte chez toi, combien de personnes tiennent un micro? Montre-moi avec tes doigts. Combien de personnes tiennent un micro? Je n'ai pas de direction. Combien de personnes vont diriger le culte? Dès le commencement jusqu'à prédication, il y a 8 personnes. Donc, quelqu'un qui va diriger la prière, n'est-ce pas? Ça, c'est 1. Et puis, quelqu'un qui va diriger la louange, adoration, ça, c'est 2. Et puis, quelqu'un qui va faire l'annonce, n'est-ce pas? Ça, c'est 3. Et puis, quelqu'un qui va prêcher, ça, c'est 4. Et puis, quelqu'un qui va faire l'offrande et quelque chose après. Ça dit que dans la majorité de nos églises, le nombre de personnes qui tiennent micro et qui parlent sont 5. Vous voulez me dire que dans une église de 250, 300, 400 personnes, il n'y a que 5 personnes qui peuvent administrer la parole de Dieu. Qu'il y a 5 personnes seulement qui peuvent faire leur ministère. Or, que le plan de Dieu, c'est pour que chaque chrétien soit sauvé et appelé. Chaque chrétien. Sauvé et appelé. Dès Timothée chapitre 1, verset 9. Dès Timothée chapitre 1, verset 9. Il dit, à tous les saints qui sont sauvés et appelés. Sauvés et appelés. Il n'y a pas salut sans appel. Il n'y a pas salut sans appel. Donc, vous voulez me dire que dans une église de 150 personnes, dans une église Christ Solution pour les Nations, dans ton église de 170 personnes, il n'y a que 5 personnes ou 3 personnes seulement qu'on va entendre leur voix. Et le reste. Donc, tu vois, les amis, on est en train de faire mal le ministère parce qu'on fait penser les gens que le seul endroit où ils peuvent servir Dieu, c'est dans l'église. Or, le culte et l'église n'est pas la même. L'église, c'est le monde. L'église, c'est dehors. L'église, ce n'est pas le lieu qu'on fait le culte. Le culte, c'est le rassemblement des frères et sœurs. L'église, c'est toutes les personnes qui sont dehors. C'est pourquoi Christ a dit, vous êtes le sel du monde. C'est-à-dire que le sel qui est là dans cette boîte-là, son goût-là, on ne va jamais sentir ça jusqu'à ce qu'on va lui déposer dans la soupe. Et tu vois que la soupe n'est pas son environnement. Où il est? Look, regarde la boîte. Où il est avec les autres collaborateurs sel? Il y a quelle différence entre le premier goût de sel? Si je mets ma main comme ça et je prends une quantité de sel, le premier grain de sel là, est-ce qu'il a goût plus fort que le deuxième? Je pose question, les amis. Si je prends du sel comme ça dans mes mains et je peux isoler le premier grain de sel, est-ce qu'il a un goût plus fort que le deuxième? Donc, tu vois, aussi longtemps qu'ils sont dans le culte, regarde, aussi longtemps qu'ils sont dans le culte, ils valent rien. Aussi longtemps qu'ils sont dans le culte, regarde, aussi longtemps que le sel est à l'intérieur de cette boîte, ils n'ont aucune importance, aucune valeur. Mais le jour où on va les prendre et les déposer dans un autre environnement, ça c'est le jour qui va commencer à donner son goût. Écoute-moi très bien. Si tu dois exercer véritablement ton ministère,
Ton ministère n'est pas occulte. Ton ministère est dehors. Donc, la prière qu'on fait, dehors. Et puis maintenant, la prédication de la parole. Parce que la prédication de la parole, on ne peut pas le faire à l'église. Le pasteur n'est pas fatigué. Son assistant a attendu peut-être dans l'année, le pasteur va aller en vacances 2 semaines. C'est ces 2 semaines-là que les AP aura l'opportunité de toucher le micro. Donc, toi qui restes pour, à quel moment toi aussi tu vas prêcher? À quel moment toi aussi tu vas guérir le malade? À quel moment toi aussi tu vas imposer la main sur quelqu'un? À quel moment tu vas prophétiser sur quelqu'un? À quel moment quelqu'un va venir te dire que ta prophétie que tu as prophétisée là, ça arrivait dans ma vie? Qui veut savoir la solution? La solution, c'est ce que le génie de croissance d'église. Moi, j'appelle mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, un génie. Yeah. La solution, c'est ce que la légende et le génie de croissance d'église, Bishop Dag Iwanios, appelle la visite. Parce que tu vois, lorsque vous avez l'opportunité de visiter quelqu'un, acclamez très fort pour cette fantastique réma et opportunité. Lorsque vous avez l'opportunité de visiter quelqu'un, la maison où tu te rends, c'est ta congrégation maintenant. Wow! Tu peux verser du oui là-bas. Tu peux prêcher ton réma là-bas. Tu peux imposer la main là-bas. You see, et je vais te le prouver. Je vais te le prouver. Je vais te le prouver. Nous voyons. Je vais te le prouver. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Je vais te le prouver. Actes chapitre 3. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir de... Hein? Actes chapitre 2. À partir de 44. Regarde ce que la Bible dit. Il dit 44. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tu vois? Regarde. Regarde bien. Ça, c'est la première église. Ça, c'est la première église. Ça veut dire que si on veut voir, ah, je vois la révérende Sonia Gonto qui est connectée, Mission Christ et Père, à Mission Christ Pain de Vie, soit bénie aussi. La première église, c'est-à-dire que si on veut voir l'original église, voici l'église. Dès 44, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ça, c'est le culte. Vous avez vu que quand ils sont dans le même lieu, ils ont tous la même chose. C'est comme du sel. Ils avaient tous en commun. Maintenant, regarde, 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous selon le besoin de chacun. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Culte, ça c'est le culte. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, tu vois, regarde les étapes qui amènent croissance. Ils sont ensemble et ils ont toutes choses en commun. Au culte. Mais quand il s'agissait de partage, ils faisaient ça de maison à maison. Ils faisaient de maison à maison. Donc, tu vois, le système de visiter les gens et de faire le culte dans les maisons amène croissance.
Ça, c'est la Bible. Je ne manipule pas la Bible. Il dit qu'il visitait de maison à maison. House after house. He said they were moving from house to house. House to house. Tout le monde, regarde-moi. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Amen. Regarde-moi. Vous savez que, depuis la mort de Christ, Jésus est mort 33 AD, Anno Domini. D'accord? Jésus est mort 33 AD. Dès le temps de la mort de Jésus, jusqu'à l'année 1600 ans, le 17e siècle, la population de toute la terre avait que 1 milliard. Là, depuis le temps de Jésus jusqu'à 1600 ans, la population de toute la terre avait 1 milliard. Maintenant, de 1600 jusqu'à 2024, on est à 8,9 milliards. Comment? Comment 1600 ans a produit que 1 milliard et un peu plus que 300 ans a produit 8,8 milliards de plus? What is the key? What is the key? La clé de ça, la clé, c'est l'introduction de deux choses. Est-ce que vous êtes prêts? Introduction de deux choses. La nourriture et le médicament. Parce que, c'est-à-dire que c'est vrai que les gens mettaient au monde, mais le nombre de personnes qui sont mises au monde sont presque le même nombre de personnes qui meurent chaque jour. Donc, pendant 1600 ans, il y avait la même population sur la terre. Et puis, l'introduction des médicaments et nourriture a augmenté parce que nourriture fait en sorte qu'on est à l'aise maintenant. Médicaments fait en sorte qu'on ne meurt plus. Toutes ces deux choses, c'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Enseignement et visite. Enseignement et visite, c'est nourriture et médicaments. La visite, c'est médicament. L'enseignement, c'est la nourriture. L'introduction de ces deux phénomènes à l'intérieur du monde a fait en sorte que dans 300 ans, il y a une forte augmentation jusqu'à 8 milliards de personnes sur la terre. Et cela doit attirer notre attention. Qu'est-ce que s'est passé dans le monde qui a fait que dans 1600 ans, on n'avait que 1 milliard? Donc peut-être, à Christ Solution pour les nations, vous avez fait 5 ans, il y a 100 membres. Mais peut-être dans 2 ans, vous pouvez avoir 900 nouveaux membres. C'est quoi la clé? Ce qui a fait que le monde a changé de 1 milliard à 8,9 milliards dans 300 ans, est exactement la clé qui va faire largement augmenter chaque ministère qui était ministère depuis de longues années, mais vous avez peu d'âmes. La solution, c'est l'augmentation de nourriture et augmentation de médicaments. Pendant FSS, cette saison, nous allons traiter ces deux sujets-là. Sujet de visite, sujet de nourriture. Écoute-moi très bien. La visite, visiter quelqu'un. Chaque église qui me suit ici doit tenir des réunions et inculquer une nouvelle culture de visite. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vient à l'église, vous savez, il y a une église, la plus grande église à Philippines, Manila, est une église dirigée par pasteur David Samurai. Et le pasteur David, dans son église, je te parle d'une église qui a 22 000 Filipinos. 22 000
Philippines. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque jour, quelqu'un vient à l'église. Le même jour, quelqu'un va aller le rendre visite pour connaître sa maison. Le même jour, quelqu'un va aller voir sa maison pour connaître sa maison. Cette personne va prendre son téléphone et épingler la localisation de la maison et envoyer au bureau du pasteur David. Dès qu'il reçoit la position de la maison de la personne, ils vont alerter tous les membres de l'église qui sont sur le même avenue que la personne ou dans le même quartier que la personne. Et ils vont se consentir et décider si c'est samedi ou mercredi ou lundi. Mais en tout cas, dans moins de 48 heures, tous les gens qui sont dans les quartiers vont aller dans la maison de la personne pour lui rendre visite avec ananas, lasagne, cupcake, boisson Coca-Cola, de l'eau, du riz. C'est-à-dire que tout le monde qui est dans le quartier de la personne qui est venue va descendre dans la maison de la personne et inonder, remplir la table de la personne avec la bouffe, la nourriture. Et puis là-bas, ils vont partager, chacun va partager comment être membre de cette église a été une grande bénédiction pour lui et comment sa vie est grandement changée parce qu'il fait partie de cette église. Et puis, ils vont prier fortement pour la personne, sa maison, lier les démons. Look, les amis, est-ce que tu penses que cette personne va rentrer encore? Est-ce que tu penses que cette personne, il va rentrer encore d'où il est venu? Never. You see, quand on étudiait comment dans 1600 ans, d'accord? Cindy, est-ce que tu es avec moi? Yeah. Dans 1600 ans, toute la terre a eu le même nombre de personnes. Chaque pasteur ici, pasteur Jean-Charles, n'est-ce pas, Diane? You can see that, tu peux voir que toi aussi, tu as eu exactement la même chose. Que peut-être pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, le nombre de personnes qui quittent l'église sont les mêmes nombre de personnes qui viennent dans l'église. Donc, à la fin de l'année, la salle est remplie comme au début de l'année. Mais il n'y a pas le même nombre de personnes assises. Il y a certains qui sont partis, il y a certains qui sont venus. Ça veut dire que ton église est exactement comme la terre durant 33 AD jusqu'à 1600 ans AD. Ton église et la terre ont la même formule. Le nombre de personnes qui meurent sont le même nombre de personnes qui sont nées. Mais dans 300 ans, on a chuté, c'est-à-dire on a augmenté de 1 milliard à 8,9 milliards. Ça veut dire que la chose qui a été introduite, écoutez, la chose qui a été introduite dans la terre qui a fait que dans 300 ans seulement, on a 8 milliards plus de personnes et quelque chose qu'on peut introduire dans chaque église pour faire grandir chaque église qui me suit à FSS aujourd'hui. La chose qui a été introduite sur la terre, c'est la même chose qu'on peut introduire dans chaque église pour faire grandir chaque église in the name of Jesus. Attends les amis, avant de progresser, attends, parce que jusqu'à la fin de FSS, je ne suis pas sûr si vous allez voir. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Je vous ai dit que FSS sera hautement prophétique et international. Donc, je vais vous faire voir Londres avant que le soleil se couche. Pour ceux qui n'ont pas vu Londres, reçoit l'onction prophétique. Voici le quartier de Greenwich. Quand en Afrique, on dit GMT, Côte d'Ivoire, quand on dit GMT, voici le bâtiment de GMT qui est là. GMT. C'est ici qu'on a tracé la ligne qui définit le temps
pour toute la terre, c'est ici. C'est ici que la ligne de toute la terre a été dressée. Donc, quand tu es une heure, on dit une heure moins GMT ou une heure plus GMT. Mais on dit zéro GMT. C'est ça. C'est ici, GMT. Donc, voici l'entre. Tu seras là-bas au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction d'un pigeon voyageur in the mighty name of Jesus. Alléluia. Amen. D'accord, donc on a fini parce que bientôt le soleil va coucher. Et je te promets que partout où on va faire FSS, je vais tourner la caméra pour que tu vois un peu la ville. Alléluia. La foi vient par ce qu'on entend. La foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Ce que tu vois et tu entends, ça stimule ta foi d'augmenter ton niveau. Que ta vie soit stimulée, que ça soit augmenté et ça soit poussé devant le nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi un très fort amen là-bas. Donne-moi un amen. Filez-moi le cœur, filez le cœur, filez le cœur, filez le cœur, filez le cœur et au nom puissant de Jésus. Amen. Donc les amis, je ne sais pas si tu comprends ce que nous sommes en train de dire. Rachel, est-ce que tu comprends un peu ce que nous sommes en train de dire? Que si toute la terre a pu maintenir 1 milliard de personnes pendant 1600 ans, ça veut dire que c'est semblable aussi à Bordeaux. ETR Bordeaux aussi, vous êtes pareil. Parce que depuis combien des années ETR est là, le même nombre de personnes qu'on gagne sont le même nombre de personnes qu'on perd. Donc, on arrive à la fin de l'année, l'église est remplie, mais on voit beaucoup de nouvelles personnes. Ah, mais si les anciens qui étaient là sont restés, les nouveaux ajoutent, il n'y aura pas place. Donc, les amis, je ne sais pas si vous comprenez que ça veut dire que toutes les choses qui ont été ajoutées, écoutez très bien, ça veut dire que tout ce qui a été ajouté sur la terre, qui a augmenté la population de la terre, et quelque chose qu'on peut aussi ajouter dans l'église pour augmenter la population de l'église. Et qu'est-ce qui a été ajouté? Olga, qu'est-ce qui a été ajouté sur la terre? Médicaments, nourriture. Médicaments, nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit trouver une façon de multiplier la prédication. Ça veut dire que prédication dimanche n'est pas suffisant. Chaque pasteur doit trouver comment augmenter la nourriture dans ton église. Dimanche, mercredi n'est pas suffisant. Chaque pasteur doit trouver comment on peut faire culte en ligne, réunion en ligne, écrire des brochures ou les PDF ou des dévotionnels, et puis tu envoies à chaque membre chaque jour. C'est-à-dire que quand toi, pasteur, tu lis ta Bible et Dieu te parle, tu écris ce que Dieu t'a dit et puis tu envoies à chaque membre. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de séparer les gens dimanche jusqu'à dimanche prochain avant de prêcher. Regarde bien les grandes églises. Regarde bien toutes les grandes églises. Leurs pasteurs sont en train de prêcher tout le temps. Pasteur Mohamed Sanogo prêche dimanche 3 cultes. Samedi, 2 cultes. Lundi, il y a, prière 24. Mardi, avant, il faisait MS Live mardi. Maintenant, MS Live, c'est mercredi. Et puis maintenant, mercredi encore. Bon, mardi, il y a MS Live. Mercredi, il y a mercredi des champions. Jeudi, il y a encore quelque chose. Vendredi, il y a Zoom prayer. Il faut le first prayer fire. Quelque chose, fire something, something. Et il prêche, il prie, il dirige la prière. Et samedi, il reprend encore. Tu vois, si tu es un bon pasteur, night fire, grâce, merci, night fire. Donc, tu vois que si tu es un pasteur, tu dois comprendre que l'augmentation de nourriture dans ton église va augmenter la croissance de ton église et empêcher la perte. Parce que les gens meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Michel, est-ce que tu es avec moi? Donc, on doit augmenter. Donc, chaque pasteur qui est en train de me suivre, vous devrez trouver
Comment on peut augmenter la nourriture dans l'église? Ça veut dire que toi-même, en tant que pasteur, tu prêches beaucoup. Mardi, tu prêches. Mercredi, tu prêches. Même si tu ne peux pas prêcher en ligne, tu écris et tu envoies sur le téléphone de tout le monde. Mercredi, tu envoies votre note vocale. Mercredi, tu peux faire sortir quelque chose comme mercredi de note vocale. Mercredi de note vocale. Et tu enseignes 5 minutes. Donc, avant, quand les gens se réveillent le matin, avant d'aller au travail, ils ont 15 minutes de prédication que tu as vraiment que tu as mis et tu as envoyé. Vendredi, il y a prière en ligne, 5h à 6h. Et puis tu prêches. Lundi matin, il y a prière en ligne, 5h à 6h. Mardi, il y a culte en ligne. Mercredi, il y a culte présentiel. Jeudi, il y a formation. Vendredi, il y a night fire. Samedi, il y a formation. Dimanche, il y a culte. Augmentation de nourriture empêche les gens de mourir. Tout le monde, regarde-moi, regarde-moi. 50% du ministère, c'est enseignement. Donc, si on ne fait pas assez d'enseignement, nous sommes en train de tuer l'Église. 50% du ministère, c'est enseignement. Le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, do you love me? Peter, Peter, please, do you love me? Peter, Peter, do you love me? Est-ce que tu m'aimes? Nourris mes agneaux. Nourris-le. Et il n'y a personne ici qui mange une seule fois par jour. Il n'y a personne par semaine. Il n'y a personne ici qui mange une fois par semaine. Hein? Il n'y a personne ici qui mange une fois par semaine. Tout le monde ici mange au moins deux fois par jour. Donc, pourquoi nos âmes, hein, les amis pasteurs, pourquoi tu nous as fait jeûner de la parole de Dieu? Vous ne voyez pas que les gens sont en train de mourir? Disons la vérité. Le même nombre de personnes que Dieu nous envoie chaque année, on perd le même nombre de personnes de l'Église. Nous, Église, sommes exactement comme toute la terre depuis 0 AD jusqu'à 1500 AD. Le changement, augmentation de nourriture, augmentation des médicaments. C'est quoi le médicament? Visite. La visite de Jésus-Christ dans la maison de Simon-Pierre a empêché sa belle-mère de mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est avec moi? Hein? Hier, yeah. La Bible dit que Jésus s'est rendu dans la maison de Pierre et là-bas, ils ont vu la belle-mère, n'est-ce pas, de Simon Pierre, la belle-mère de Simon, malade avec une fièvre. Sans cette visite, je suis sûr que Simon Pierre allait enterrer sa belle-mère. C'est pas fini. L'absence, tout le monde regarde. Qu'est-ce que Marie Magdala? Oh, I love this! I love this Holy Spirit. This is beautiful. Marukasta, marukata la balade. Je ne sais pas si vous êtes en train d'être bénis, les amis. Je ne sais pas si vous êtes en train d'être bénis parce que je suis en train de partager avec vous. Mais je t'assure que c'est très, 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 très fort ce que je suis en train de partager avec vous. L'absence de Jésus-Christ dans la maison de Marie Magdala a causé la mort de Lazare. Quand Jésus est arrivé chez Lazare, Marie Magdala lui avait dit, maître, si tu étais venu, si tu étais venu, if you came, he would not have died. If you came, if you had come, si tu étais venu, il n'allait pas mourir. Donc, ça veut dire que il y a tellement, Michel, il y a tellement de gens que nous avons perdus dans nos églises parce qu'on ne leur rend pas visite. Tu vois, visiter la maison de quelqu'un te offre l'opportunité de démontrer la grâce de Dieu qui est sur ta vie. C'est dans la maison de quelqu'un que tu vas trouver que sa maman est malade. Et tu vas imposer la main. Parce que tu auras... Comment tu sauras? Michel, comment tu sauras que tu as le don de guérison? Comment tu sauras?
Tu sauras ça comment? Hein? Esther, comment, how would you know? Comment tu sauras, hein, que tu as la grâce de ressusciter le mort? Comment? Comment? How would you know that? Sûrement, ça ne sera pas dans les cultes d'évidence. Parce que comme tu as vu, Pasteur Jérémie prêche tout le temps. Quand il n'est pas là, my anointed, Dorcas, prophétesse Dorcas, prêche. Quand il n'est pas là, il y a PA qui va prêcher. Donc, Esther, ça sera à ton tour quand? Pour essayer prédication tellement que un jour, tu vas découvrir même que tu es un fantastique prédicateur numéro un, numéro deux, que peut-être quand tu prêches, les gens pleurent. Comment tu vas découvrir ce talent? Comment tu vas découvrir que quand toi, tu parles, les gens pleurent? Comment tu vas découvrir ça? Donc, tu vois, le fait de penser que notre ministère, c'est à l'intérieur de l'Église, fait de nous tous du sel qui est à l'intérieur d'une boîte qui est placée dans l'étagère, sur l'étagère, dans la cuisine. Inutile. Mais avec la grâce des visites, Michael de IJVN pouvait rendre visite à quelqu'un et dans la maison de la personne, tu vas découvrir que, oh, notre maman a une hypertension, on l'a amenée à l'hôpital. Tu vas dire, ah bon? Il dit, donc, on est en train d'aller à l'hôpital. Tu dis, allons ensemble. Donc, tu arrives à l'hôpital. Voici sa maman qui est là. Les médecins sont là, ils ont mis le tuyau et tout ça sur sa maman. Elle n'arrive pas à parler. On dit, maman, ça va? Elle dit, oui, ça va pas. Ça va pas, priez pour moi. Et puis, Michael va dire, hey, les gars, excusez-moi. Maman, je m'appelle Michael de IJVN. Je suis frère à ta fille. Je suis venu rendre visite à ta fille et j'ai découvert que tu ne te sens pas bien. Maman, tiens ma main, je tiens ta main. Et je vais parler en langue. Maru Kabata. Et puis, c'est là-bas que maintenant, Michael va commencer à exercer sa grâce d'opération voix cassée. Kabaya challenge. Il va commencer. Mura Hey, et puis, elle va commencer à sentir quelque chose à faire bouger à l'intérieur de son corps. Hey. Michael va quitter l'hôpital, arriver à la maison, et puis on va lui téléphoner. Maman est assise en train de manger foutou banane avec sauce grise. That is a miracle! Miracle! Power of God! 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 Michel, tu ne vas jamais découvrir de quoi tu es capable jusqu'à ce que tu commences à rendre visite aux gens et tu commences à exercer ton ministère dans leur maison. Christ a dit, personne allume un bougie et lui casse sur le boisseau, mais il la place sur les chandeliers afin qu'il donne sa lumière à tout le monde dans la maison. Donc, ça veut dire que ta lumière, ça doit briller dans la maison de quelqu'un. Apôtre Bohusu, on doit former les gens pour être experts visiteurs. Les amis, on est trop resté à l'église trop longtemps. On est resté à l'église. On fait quoi même à l'église? Je ne comprends pas. On fait quoi même à l'église? Quand on est à l'église, on fait quoi même? On fait quoi à l'église? Le monde est en train de pourrir. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de perdre leur vie. On est à l'église. On fait quoi même là? On fait quoi même à l'église? What are we doing in church? On fait quoi même à l'église? Donc, tu vois, à chaque fois, nous avons l'opportunité de rendre visite aux gens. On reçoit la grâce et l'opportunité pour administrer la parole de Dieu. Écoutez, la leçon d'aujourd'hui, c'est deux choses. Augmentation de nourriture, augmentation de visites. Nourriture, médicaments. Ici, Bishop, je suis dans ma chambre avec Apôtre Afi, pasteur Afi
à CAM, l'église qui a hébergé Work of the Ministry Conference de London. D'accord? Et donc, quand tu me vois tourner ma tête, je ne suis pas en train de regarder une fantôme dans ma chambre. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Il y a pasteur Afi qui est dans ma chambre avec moi. Non, écoutez quelque chose. Ici, je n'ai jamais pensé à ce que Marie Magdala avait dit à Jésus quand il est venu dans la maison. Parce que tu vois, on a vu deux cas. Jésus s'est rendu dans la maison de Simon Pierre, sa maman était guérie. Jésus était informé que Lazare était malade, il n'est pas parti. Quand il est arrivé, Marie Magdala lui dit, Maître, si tu étais venu, mon frère sera toujours vivant. Il y a tellement de gens que nous avons perdu. Écoutez, je vais lancer à partir d'aujourd'hui le projet opération visitation, maximum visitation. Visite maximum. Visite intensive, VI. Intensive visite. Hein? Visite intensive, opération visite intensive, OVI, opération visite intensive. Look, tout le monde ici, dès qu'on finit, on finit. Localisez quelqu'un qui n'est pas venu à l'église depuis un mois. Appelle la personne, va dans la maison de la personne, assieds-toi dans la maison de la personne. Manger, look, demain, la semaine prochaine, on va parler des différents types de visites. Et puis, dans les semaines qui viennent, je vais vous enseigner ce qu'on fait quand on rend visite aux gens. Et puis, avant la fin de cette session, je vais vous montrer comment être un fantastique prédicateur. Je vais vous montrer comment devenir un prédicateur international. Qui est intéressé à devenir un prédicateur international? Yeah. Donc, look, on commence avec OVI. On a fait opération voix cassée. Hein? On a fait opération voix cassée, OVC, opération voix cassée. On a fait Kabaya Challenge. Et puis maintenant, on lance opération visite intensive. Tout le monde dit avec moi, opération visite intensive. Vas-y, dis encore, opération visite intensive. Dis encore, opération visite intensive. Yeah, visite intensive. Le pasteur Danny, changez toute ton église et tout ton ministère à un ministère qui rend visite. C'est-à-dire que, look, vous savez, quand on a commencé First Love, je me souviens, un jour, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, est venu à l'église et il a grondé beaucoup le bishop, le leader de l'église First Love. Sur quel sujet? Il disait que la fondation qu'il a utilisée pour bâtir l'église, c'était la fondation de visiter les gens. Look, on visitait les gens tellement que les gens, ils se disent, cette église, on ne rend pas visite là-bas. Hein. Si tu fais une erreur et tu mets ton pied là-bas, hein, ils vont te rendre visite tous les jours jusqu'à... Tu vas te fatiguer. On ne fait plus ce genre de choses. Et puis, les amis qui sont en Europe, arrête de vous dire que vous êtes en Europe. Arrête de dire ce genre de choses. Parce que ça, c'est le plus diabolique pensée que vous pouvez avoir. Europe n'est pas différente d'Afrique. C'est parce que vous avez permis. Look, vous avez laissé cette culture d'avancer là-bas. Sinon, si on établit ça comme culture à Luxembourg, et on établit ça comme culture à Limoges, et on établit ça comme culture à Nantes, et on établit ça comme culture à Bordeaux. C'est-à-dire qu'au début, les gens vont se méfier de nous. Mais avec le temps, ça va devenir le culture majeur. Parce que toute culture est comme ça. Nous, en Afrique, il fait chaud en Afrique, mais on porte costume en Afrique. Tu penses que ça vient d'où? Hein? Ce n'est pas nos colonisateurs qui nous ont apporté ça et forcé ça sur nous. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans chaque réunion importante, les gens doivent porter costume. Tu dois comprendre que nous sommes appelés, hein, nous sommes appelés d'imposer le royaume de Dieu sur la terre.
Nous sommes appelés d'imposer. Ce n'est pas le royaume de Satan qui doit dominer. Les athées n'aiment pas les visites. Les athées sont séparés. Les athées sont dans leur coin. Les athées sont dans leur coin parce qu'on les a laissés comme ça. C'est nous qui les a laissés comme ça. C'est nous qui les a permis de rester comme ça. Je t'assure que si on met pression, ils vont ouvrir leurs portes. Ils vont commencer à accepter cette nouvelle culture comme la culture chrétienne. Vous savez que, vous savez que, quand on était à l'université, hein, avant, on avait l'habitude de secouer le main. Quand quelqu'un vient, on secoue le main, how are you? Et puis on fait comme ça, on secoue le main. Et puis un jour, Bishop Dag a prêché sur Calais, le fait de faire Calais. Et il a dit que, il y a tellement de gens qui dépriment et il y a tellement de gens qui ne savent même pas. C'est-à-dire, ça fait un mois, personne ne l'a fait câlin. Et les gens dépriment. Donc, à l'église. Donc, on doit commencer maintenant à faire des câlins à l'église. Vous savez que dans toutes les églises qui étaient au campus avec nous, dans aucune église, les gens font ça. Mais dans notre église, il y a des gens même qui sont venus dans notre église qui disent qu'ils aiment notre église parce qu'il y a câlin dans l'église. Tu vois, ce n'était pas la culture. Mais avec le temps, c'est pourquoi, les amis, quand tu vois mes vidéos, où je donne câlin à Bishop Dag, tu vois, photo avec moi et Bishop Dag, je donne câlin. Parce que moi, je n'ai jamais secoué la main de mon père. Moi, je n'ai jamais secoué la main de mon père spirituel. Je n'ai jamais secoué la main de Pasteur Mohamed. Puis je vais faire ça pourquoi? Ou Pasteur Ivan. Je vais faire ça pourquoi? Il n'est pas mon collaborateur. On n'est pas collègues. C'est mon papa. Quand je vois Pasteur Mohamed, je vois Pasteur Ivan, je ouvre mes mains comme ça et je l'embrasse. C'est-à-dire que je mets mes mains autour de lui et je lui serre fort parce que c'est mon papa. Tu dois comprendre, les amis. Tu vois, quand on commence une certaine culture, ça reste. C'est parce qu'on a laissé les gens faire venir des cultures de sataniques, diaboliques, hein, de isolation du monde à l'église, qui a fait en sorte que c'est comme si il y a des personnes, tu vois, les caucasiens n'aiment pas des câlins, tu vois, et ils sont réservés. On les a laissés comme ça. C'est nous qui l'avons laissé comme ça. Sinon, si on voit une caucasienne et on l'attrape comme ça, et puis on lui fait câlin, avec l'État, elle-même, si le jour on va lui donner, on va éteindre le main comme ça, elle va dire, il y a quoi? Il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème entre nous? Tu vois que maintenant, là, les câlins sont devenus comme du sel. Ça a attrapé sa langue. Elle veut ça encore. Il veut ça. C'est la même chose avec la visite. Ne pensons jamais qu'il y a certains groupes de personnes qui sont... Ils disent, oh, tu vois, les Blancs ici, les Européens, ils n'aiment pas qu'on vienne chez eux. C'est parce que c'est nous qui l'avons laissé ça comme ça. Il faut que... Yeah, je vois quelqu'un en train de dire, AP Esther, j'ai un câlin pour toi. AP Esther, je ne sais pas ce qui va se passer après aujourd'hui, mais les gens vont t'attraper fort pour te faire des câlins à l'église. Hein? Yeah. Mais qui a câlin pour Agnès? Je vois que Agnès est là, il n'y a personne qui dit qu'il a câlin pour Agnès. Hein? Quelqu'un doit avoir câlin aussi pour Agnès. Qui va lui donner? Pas son mari, je ne parle pas de Wifi. Wifi, enlève-toi de là. On parle de câlin spirituel, pas ton type de câlin là. Ton type de câlin, quand tu fais ça, il y a bébé qui va venir. On n'est pas intéressé à bébé. Maintenant, c'est le ministère qu'on veut faire. Et on veut câlin qui vient de Merveille, qui vient de Kimberly et tout ça. Voilà. Alléluia! Est-ce que nous sommes bénis ici? Les amis, look. Ne laisse pas les gens penser qu'il peut être chrétien et avoir une maison qui n'est pas connue. Ce n'est pas normal, tout le monde regarde-moi. Ce n'est pas normal, Merveille, d'avoir des personnes à l'église dont on ne connaît pas leur maison. Ce n'est pas du tout normal. Ça, ce n'est pas christianisme. On ne peut pas avoir quelqu'un dans l'église qu'on ne connaît pas sa maison. On ne peut pas. Donc, je lance cette semaine, opération visite intensive. Yeah. On ne peut pas avoir les gens qu'on ne connaît pas leur maison. On doit connaître la maison de tout le monde.
On doit connaître. La prochaine fois, je vais venir même à Bordeaux là-bas. Agnès, je vais venir vous rendre visite. Toi et Willy, je vais venir vous rendre visite. Yeah, il faut que je vienne te rendre visite. Je vais venir jusqu'à ta maison pour venir vous rendre visite. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on se connaît, mais on ne connaît pas ta maison. C'est pas normal. Ça veut dire que la relation n'est pas solide, c'est pas fort. C'est ce qui fait que les gens peuvent disparaître de l'église comme ça et on ne sait pas où ils sont partis. Mais la visite, c'est le médicament. Et le verset que je te donne, c'est quand Marie a dit à Jésus, Maître, si tu étais venu, hein? Maître, si tu étais venu, alléluia, je vais te donner deux versets des visites médicaments. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. 32. Il dit, lorsque Marie fut arrivée là où Jésus, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Wow! Oh, I love this. I love this. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. I love this. Si tu étais venu. Marie savait, elle savait que la présence et la visite de Jésus, c'était médicament contre la mort. Elle savait. Elle savait. Elle savait. Elle savait. Baruba shata mandiribi akosti miyando. Muka sabate. Malama samate brianda la basabatana. Ibaruba stata mala mama masaba. Imalaba stabrando rubo stibri kita mandiribi. Imalaka ta mandiribi yasto bolonde. Je vous donne une deuxième verset. Matthieu 8, 14 et 15. Matthieu chapitre 8, 14 et 15. Matthieu chapitre 8, 14 et 15. Matthieu chapitre 8, 14, la Bible dit, Jésus s'est rendu ensuite dans la maison. Jésus a rendu visite à Pierre. Donc, il vit là-bas sa belle-mère couchée, ayant la fièvre. À l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Look at something, look at. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis, elle s'éleva et elle le servit. Oh, hallelujah! Alléluia. Combien de personnes nous avons perdu de nos églises parce qu'on ne leur a pas rendu visite? Deux médicaments, augmentation des prédications, nourriture, augmentation des visites. Donc, durant les 10 prochaines semaines, voici les études que nous allons faire. On va approfondir comment préparer bien prédication pour nourrir les gens et on va aussi approfondir ce qu'on fait. Quand on rend visite aux gens. Parce que ce n'est pas toute visite aussi qui guérit quelqu'un. Il y a des visites des déloyaux qui détruisent l'église. Ah, il y a les visites des imbéciles qui rentrent dans les maisons des gens pour détruire la maison et détruire les églises. Ce n'est pas ce genre de visite dont nous sommes en train de parler. On parle de visites comme ce que Marie a dit dans Jean chapitre 11, 32, que si tu étais venu, mon frère sera toujours vivant. Pour Rabastabatan de Rebekianda, lève ta main, tout le monde, je prie pour vous. Marco Sibiata. Oh Seigneur, merci pour le lancement officiel de la saison 2 de FSS et merci pour la forte parole que tu nous as donnée. Kouremasimbe Libiata Kamanani. Seigneur, je prie depuis la France, Canada, États-Unis, Congo, Gabon, Cameroun, Bénin, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire. Et tous les pays qui sont connectés d'Europe et de l'Angleterre, je relâche dans cette je relâche présentement la puissance et la grâce d'augmenter la nourriture et augmentation. Ma 4 milliards dans la barre de visite, que tout le monde ici reçoive la grâce d'être un expert visiteur. Un expert dans le visite, un expert dans les matières de visite, un expert dans les matières de visite. Seigneur, que les portes soient ouvertes pour que tout le monde ici devienne quelqu'un qui rende visite chaque semaine. Un
bon berger Pro Max doit rendre visite à quelqu'un. Je prie in the name of Jesus que tu reçois la grâce, la sagesse, la capacité de nourrir le peuple, d'augmenter la quantité de nourriture et d'augmenter la visite aux gens au nom puissant de Jésus. Que vous soyez protégés contre tout mal quand vous allez rendre visite aux gens. Que vous soyez protégés contre tout mal. Que vous soyez protégés contre tout mal. Que vous soyez protégés contre tout mal. Je déclare qu'il n'y a pas de mauvais rapport qui va sortir de tes visites au nom puissant de Jésus. Il n'y a que des témoignages de guérison, de visites, de préservation, de guérison, de miracles et de la puissance de Dieu qui seront manifestés quand tu vas rendre visite aux gens. L'onction que Dieu a placée sur toi va se manifester dans la maison où tu seras envoyé. In the mighty name of Jesus. Reçois la grâce, reçois la puissance et reçois la capacité d'augmenter la nourriture et de visiter les gens au nom puissant de Jésus. You will be a very good shepherd. Tu seras un très bon berger. Tu vas préserver la vie des gens. Oh, la parole de Marie, ça sonne dans ma tête. Seigneur, si tu étais venu, mon frère ne sera pas, mon frère sera toujours avec nous. Korama Samati Mandiri Beyande, que tes témoignages de quelqu'un viennent à travers cette opération que nous avons lancée au nom suprême de Jésus. Amen. Oh, come on, somebody, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On peut bénir le Seigneur. On peut bénir le Seigneur. Oh, yes, Lord, 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 yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you. We bless you in the mighty name of Jesus. Amen. Donc, FSS est lancé. Amen. Et j'espère que vous avez eu une magnifique opportunité d'apprendre quelque chose de fantastique. La semaine prochaine, je serai à l'États-Unis de Boaké. Et alors, FSS va venir encore de l'États-Unis de Boaké. Ça sera encore une autre bénédiction. Tu seras béni. Mais n'oubliez pas que c'est vrai que FSS est complètement gratuit. Amen. Alors, invitez les amis pasteurs ici, invitez d'autres amis parce que ça, c'est un école de bergers gratuit. C'est un école de bergers complètement cadeau gratuit que le Seigneur nous a conduit et dirigé de faire pour vous pour que vous soyez encore bénis. Alléluia. Amen. Mais je vais prier sur ton offrande. La Bible dit qu'à chaque fois que nous sommes ensemble, il est une bonne opportunité pour nous de s'aimer. Amen. Je suis sûr que vous avez reçu puissamment quelque chose. Qui a reçu quelque chose puissamment? Qui a reçu quelque chose puissamment? Qui a reçu quelque chose puissamment? Alors, voici, je vais prier sur ton offrande. Voici, tu peux nous soutenir. Amen. Imaginez qu'à chaque fois que je me déplace, je vais faire comment? Je vais faire comment pour continuer à faire FSS avec un bon Internet? Alors que je suis ici, est-ce que vous voyez ça? C'est ça qui fait en sorte que vous entendez vous êtes en train d'entendre ma voix claire. C'est connecté avec une boîte. Et puis, il y a des choses que vous ne voyez pas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors que je suis ici, regarde. C'est ça qui fait en sorte que vous voyez mon visage très, très clair. Regarde ça. Vous voyez mon visage très clair. Si on enlève ça, regarde comment c'est sombre. Mais quand on le place, ça regarde. Là, tu me vois et c'est clair. Tu vois, donc il y a des petites choses qui font en sorte que je n'ai pas besoin d'une équipe pour être avec moi, pour être capable d'administrer. Et il y a encore des choses que nous pouvons faire. Amen. Il y a encore des choses que nous pouvons faire. Dernièrement, quelqu'un m'a dit qu'il y a un certain type de téléphone qui fait en sorte que les lives sont plus clairs. La caméra échappe et plus claire. You know? Donc, on est en train d'améliorer et ça sera très difficile pour nous de le faire si tu ne soutiens pas. Amen. Donc, voici. Tu peux prendre capture de ça, tu n'es pas obligé de faire ça tout de suite, mais tu peux faire ça aujourd'hui, tu peux faire ça demain, mais voici une opportunité, même pour les ceux qui sont en Europe, tu peux faire tap send, n'est-ce pas, tu peux faire tap send et tu envoies le compte bancaire, tu peux envoyer, voici le numéro aussi qui est connecté là, à 07 77 98 99 33. Tu peux faire Wave, tu peux faire Orange dessus et ça sera reçu. Voici PayPal aussi qui est là, @DHMCI,
225. Amen. Donc, tu peux aussi nous envoyer 5 euros, ce n'est jamais quelque chose de petit. 10 euros n'est jamais quelque chose de petit. 10 pounds n'est jamais quelque chose de petit. Amen. 50 pounds is never a small thing. Hallelujah. C'est quelque chose de grand. Le numéro Wave, c'est ça qui est connecté. Donc, prendre capture d'écran, c'est voir. Si tu regardes, si tu regardes ton écran, tu verras ma vidéo a été épinglée et il y a un autre écran aussi qui est épinglé. Et voilà. Donc, tu prends capture de ça et vous pouvez faire envoyer à votre offrande. Amen. Ah, il y a des gens qui ne voyaient pas. Benjamin, est-ce que tu peux m'enlever et épingler une seule vidéo, écran? Si Pasteur Benjamin peut enlever, ou je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais à ceux qui ne voient pas, oui, on ne voit pas. Ah, il y a Priscille qui ne voit pas ça. Il y a Priscille qui ne voit pas ça. OK, voici. OK, voilà. Donc, tu entends ma voix, n'est-ce pas? Tu entends ma voix. Mais, donc, tu vois, est-ce que c'est clair maintenant? Tout le monde voit ça maintenant? Est-ce que tout le monde voit ça maintenant? Ceux qui disaient qu'ils ne voyaient pas, est-ce que vous voyez maintenant? OK, donc, Pasteur Benjamin, je pense que ça peut être une stratégie maintenant, n'est-ce pas? Pour que ça soit très clair. Au lieu d'épingler mon écran avec d'autres écrans, tu peux laisser pour moi comme ça et puis tout le monde est connecté et puis tout le monde peut voir comme ça. Tu peux... Donc, s'il vous plaît, envoyez une offrande 5 000, 2 000, 3 000, 1 000 francs, 500 francs, comme ceux qui sont en Afrique, surtout ceux qui sont en Afrique et en Côte d'Ivoire. You know, 10 000 francs n'est jamais une offrande plus grande à donner. Pour la qualité d'enseignement que tu as entendu, pour les hommes de Dieu qui sont ici, vous venez de gagner plusieurs années sur ton ministère. Parce qu'au lieu de faire la même chose chaque année et avoir le même résultat, tu viens de recevoir du levain qui peut augmenter ton ministère. Alléluia. Alors, semer dans cette grâce, on doit avoir 100% visiting church. 100%, une église de 100% visite. Une église dans laquelle il n'y a personne qu'on ne connaît pas sa maison. 100%. Les hommes de Dieu s'aimaient dans cette grâce d'avoir un 100% visiting church. 100% visiting church. Hallelujah. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de avoir joint à nous. Et je vous assure que la semaine prochaine, ça sera encore pimenté. Ça sera encore très, 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 très chaud. Je sais que vous avez été bénis. Tenez des réunions. Et voir comment on peut appliquer la sagesse de ce que nous avons appris. Donc, à toutes les bons bergers Pro Max, hey, je vous aime, je vous love beaucoup, et jusqu'à dimanche prochain. Mouah! Un père est un père parce que tu existes. Je suis allé chercher que 10 personnes sont assistants parce que c'est l'or de Jean-Baptiste. Monter sur l'échelle de ton père pour avancer dans ta vie. Je te vois en train de monter dans la vie cette année au nom du sang de Jésus.